Nihao, bonne année du dragon, naturellement au China Media Group, mais aussi à tout le peuple chinois. Cette année 2024 va être une année importante, puisque c'est l'année du 60e anniversaire où la France a reconnu la Chine comme république populaire. Et cette entente qui a eu lieu entre le général de Gaulle et Mao Zedong a été structurante de la coopération sino-française. En 2024, cette coopération est intense, elle est culturelle, elle est naturellement économique, mais elle est aussi, dans bien des domaines, stratégique, puisque nous avons ce partenariat global stratégique et nous défendons un certain nombre de valeurs comme le multilatéralisme. Nous avons cette capacité-là à agir ensemble en 2024 avec une année exceptionnelle du tourisme culturel. On va essayer de favoriser les échanges de favoriser les missions des uns chez les autres, et puis de faire en sorte que la culture reste l'élément central de notre coopération. Cette année du dragon sera une année culturelle, une année des échanges. Et pourquoi les échanges Parce que nous avons besoin de mieux nous connaître pour mieux nous comprendre. C'est ça cette ligne de cette année du dragon qui nous rassemble pour une meilleure compréhension et pour défendre. Cet acquis civilisationnel qui nous concerne autant la Chine que la France, mettre la culture au cœur de nos relations internationales. C'est si